yeux, frère. Liquid a win contre EG. Let's go! La strat a été patchée. Ah, trop drôle, mec. David Raquette. Oh, j'aime trop les musiques comme ça. Marrant, hein? Il y avait écrit Arquette et je dis Raquette. Yeah! Oh, la bête qui marche dans la forêt et qui va faire un accident maintenant. Ah non. Quel genre de stalker ça? Mes clés elles ont bougé à l'instant. Ah, c'est parce que je me fais mal aux yeux, c'est ça. Il est lent que les frères. C'est le tout début là, les gars, je viens d'arriver. Installez-vous, installez-vous, c'est le tout début. Mais elle était bien la musique. Pourquoi t'as coupé le son? Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est. Parce qu'on est Poli? Paumé, Max, on est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça, donc. Ça, faut baisser le son un peu, non? Faut baisser le son, non, un peu. Et pourquoi elle a une tête bizarre comme ça? Oui. Paumé. C'est ton point de vue. C'est parfait, là. Prenez le temps d'écouter ce qui suit, car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Hackett Squad. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe. Regardez pas, voilà, je regardais pas. Qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention. Hackett Squarry peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Ah, donc c'est des crocodiles. Attention. Dans la ville. Bravo, chérie, joli réflexe. Merci. Bah, l'état des routes s'arrange pas ici. Ça doit faire partie de l'expérience rustique de la colo. Oh, c'est vrai, c'est là qu'on va. J'ai arrêté de suivre depuis 300 km. 300 km, hein? Ouais. Vous voulez les sous-titres ou pas, les gars? Vraie question. C'est Max, c'est pas grave, ça n'affecte en rien. C'est ce que vous aimez trop avoir les sous-titres dans les jeux comme ça. Oui, on veut les sous-titres, on veut les sous-titres. Ça vous tuerait le cul d'écrire oui, s'il te plaît, crame! J'avais joué au jeu avec le bateau, ouais, je les ai tous faits, je les ai tous faits. Dès que ça sort, je le fais. Juste hier, j'étais à Madrid, sinon je l'aurais fait le jour même. Voilà, merci. Bah, pas de soucis les amis, je vais vous mettre les sous-titres en espérant que ça vous convient et que ça vous convienne à tous et que tout le monde soit content pendant ce live. Voilà, pas de soucis, merci beaucoup. N'hésitez pas à utiliser vos Twitch Prime. Bien ta virilité. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ce rivage, les États-Unis n'existeraient pas. Bye bye les hot dogs, sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. Après, avec... Ouais, la cam maintenant, du coup.
Les Américains, ils croient trop, ils ont tué ça avec les burgers. Mais si les États-Unis n'existaient pas et que les burgers auraient existé dans tous les cas. Désolé, je me suis perdu dans ma phrase, ça. Les burgers auraient existé dans tous les cas. Ah, c'est les Allemands qui ont fait les burgers. Frère, ça y est, c'est un pain, de la salade, du fromage, un steak, un pain. Vas-y, ouais. Pas nous faire croire qu'ils ont inventé une dinguerie non plus. C'est à Hambourg, Hambourg. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle hamburger? Non, je crois pas. Hambourg égale hamburger. Ah oui. C'est ça. Ok. Bah c'est vrai qu'en plus. Mais non. Attends. Non, c'est faux, ça vient de Tlemcen. Ah voilà, là je te crois. De quoi tu Savais pas les parles? gars, je vous crois maintenant. Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse? C'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont Eh perdus. ben ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle à force de Ok, je vais soupirer. essayer. Je vais essayer. Prendre la brochure, prendre la carte. Moi, je prends Il la n'y avait pas brochure. d'indication sur la brochure? Non, juste des gamins qui font semblant de s'amuser autour d'un faux feu de camp. Génial. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Hé, regarde la route, s'il te plaît. What? Oh, il y a des Wendigo. Off-road King, tu me connais déjà. Merde, je crois que c'est Amsofresh qui arrive sub. Merci, je sais pas si c'est toi. Mais merci bien, mec. Tu vas bien? Oui. Enfin, en un seul morceau. Putain de merde, tu crois que c'était quoi? Un ours? Quoi? Non, Max, c'était pas Un un ours. ours, C'était mais quoi? s'il te plaît, frère. Je crois que c'était quelqu'un. Mais c'était un Wendigo, s'il vous Laura, t'es plaît! sérieuse? On a renversé quelqu'un? Je sais pas. On est passé près, vraiment près, mais peut-être Ah, lui, vraiment il est trop pas. émotionnel. Je sais pas. C'est un Bigfoot, c'est réel. Bah ouais, mais il était. C'est pas un ours. Gars, n'oubliez pas Lundi. Qu'est-ce qu'il y a? La Fresh Cup. Momo et Double sont qualifiés. La voiture est foutue. C'est peut-être pas si grave que ça? Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer Ah, il ma va y boîte à avoir. outils Ok. Ouais, bouge pas. J'ai cru qu'il allait se faire charcler parce qu'il y avait écrit que ma. Mais la voiture, elle roule normal, hein. C'est pour ça, en fait. Utiliser LS pour moi. Non mais. Pourquoi je mets pause? On dirait que je suis dans un React. C'est pour ça qu'on est des geeks, nous. On peut pas se retrouver dans les endroits comme ça. On prend pas la voiture. On se rapproche pas de forêt. On va pas dans des camps Pas si grave. bizarres. Ma mère va me tuer. Égal, on est safe en fait. Ta mère va te tuer, mais. Elle pourra pas te tuer si tu meurs avant. Mais frère, j'ai tout regardé, y'a rien. Fouiner. Ok, oui, frère. Rejected.
Il s'est fait... Ah, il s'est fait virer, Mistine. Pour ça, il est déprimé comme ça. Je peux t'aider? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici. Et voilà. Parfait, merci. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp, en train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi? Parce qu'on pourrait prendre feu. Imagine-toi assise devant un grand radiateur. Bah, ce sera toujours mieux qu'ici. Oh, ici, j'ai allé vers le problème. Silas ? Sai ? Tu vas où ? Pas trop loin. Laura ? Laura ? Reste dans le coin, ok ? J'ai presque fini. Non, c'est une mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée. Tu n'es pas ma merde. Ma mère, pardon. Oh, bouge-toi. Non, Miskin, il vient de se faire... Il s'est fait refuser son université. La vie, c'est pas parce que j'ai peur. J'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur. Mais il vient de se faire refuser son université. Imagine, je commence à lui dire, non, t'es pas ma mère. Je vais où je veux. Tu vois, vas-y, sa voiture, elle vient de se casser. Sa vie est finie, là. C'est, tu vois, il va prendre... Là, il pense à ses darons. J'ai pas eu ma bourse à la fac. Ma voiture est cassée. T'as vu? Faut pas lui rajouter, Miskin. Faut pas lui rajouter. Il est full sage. Là, il l'a emmené en vacances alors qu'il voulait pas y aller. Et il l'a emmené en vacances. Allez, Max, dépêche-toi! J'ai vraiment pas peur du jeu, hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur qu'il y ait une personne là-bas. T'es sérieuse? Oui, elle est peut-être blessée, je sais pas. Je crois qu'on a percuté personne. Je sais pas, j'ai entendu quelque chose, comme une voix de femme. Tu crois qu'on l'a renversée? Ah, ça se trouve, elle est folle et il y a que elle qui entend. Je veux juste vérifier. Ok, d'accord. Mais va pas trop loin, ok? Sois prudente. Ouais. Et on est deux, là. Okay. Et qu'est-ce, pourquoi il lui touche le coude? Ouais, pour l'instant, première théorie, je pense qu'elle est folle et qu'elle s'est faite... genouner par la meuf qui était dans le dos de la voiture. Okay. Et que du coup, elle est seule à entendre ça. Bonne chance à toi. Mais comment ça, bonne chance à toi? Ouah, mais moi, je croyais qu'elle était en train de descendre dans un tunnel. En fait, elle c'est juste... Ah, je pensais qu'elle était en train de descendre dans un puits. Chaco le fou. Ouah. Là, vous me voyez? Là, vous me voyez plus? Ok, wanted. Arum, scarum. C'est quoi ce truc? Affiche LB. L'affiche d'un spectacle itinérant, elle semble peut-être là depuis longtemps, oubliée dans les bois. Est-ce que ce sont des marques de brûlure sur les bords? Frère, laisse-moi jouer, wesh. Moi, je veux tout explorer, je vais pas avancer d'abord, j'ai pas le temps. Y'a rien de ce côté là. Non, y'a rien de ce côté là-bas là. Non, y'a rien. Y'a rien. Il a peur. Mais non, mais les gars, j'ai envie de tout explorer avant d'avancer quoi. Flash de son tel, il peut éclairer. Bah ouais, comme le flash de tout nos tels. À part si tu as peut-être un Danyu. Et même, je pense que les Danyu, ils éclairent aussi. À gauche ou à droite? Oh, il y a une caisse à gauche, tu vas à gauche. Une valise. Coffre de l'évasion. Oh, des gens se sont enfuis de prison ici. Un coffre rempli d'étranges dispositifs, celui d'un roi de l'évasion peut-être? Le vestige d'un spectacle itinérant qui est passé dans la région? La cam, bah j'ai tout lu. T'appelles comment déjà?
Ok, ma théorie, c'est que elle et lui vont mourir et que ce ne sont pas des personnages importants dans l'histoire. Enfin, c'est les premiers à mourir ici et du coup, ça va être comme dans Until Dawn. Eh bien, on va arriver après eux. Qu'est-ce que c'est? What is this? Traduit pour ma commune anglophone. Silas, l'enfant chien. Ce que j'aurais pu dire à mon midliner en solo queue. C'est pas la première fois que je lis ça. Vraiment, ça me choque pas. Hein. Merde. Trop chelou. Ah non, je trouve ça normal. Je vois pas ce qu'il y a de problématique là-dedans. Silas. Ouh, j'ai rien entendu. Imagine, t'as peur en jouant à des jeux vidéo d'horreur. Silas. Le problème, c'est que j'ai raté des trucs. Je vais faire marche arrière d'abord. Il y a une route que j'ai pas faite, je crois. No joke, il y a une route que j'ai pas faite, les gars. Je sais que vous allez... Vous allez croire que j'ai eu peur ou quoi, mais je pense qu'il y a une route que j'ai pas faite. Ah non, j'ai tout fait en fait. J'ai fait... Non mais je préfère être sûr, moi j'aime bien... J'aime bien tout espionner, tout voir dans un jeu, donc ouais, y'a rien. D'abord, si vous êtes venu sur ce stream pour me voir avoir peur... C'est pas un jeu d'horreur, hein. Enfin c'est un jeu d'horreur interactif, mais ce genre de jeu ne me font pas peur. Je vais peut-être crier une ou deux fois sur un screamer, mais vraiment ça me fait pas peur. Genre là, no joke, j'ai pas peur depuis qu'elle dit Silas et tout, y'a rien. Je vous préviens, comme ça vous perdez pas de temps. Arrive, n'aie pas peur. Chérie, respire, tout va bien, c'est la forêt. C'est la forêt, il y a des tas de trucs, il y a des animaux, ça peut être vite flippant. Non. On peut s'en aller, oui, s'il oui, te plaît. Oui, oui, on y les va. Vite, les vite, wesh. Ça me rend fou, les gens qui croient jamais en nous quand on dit qu'on a peur. Ouais, écoute ça, elle ronronne comme un chat. Max, allez. T'inquiète, t'inquiète, on dégage d'ici. Ouais, ça lag un peu, là. J'espère que ça va pas lag comme ça dans des futurs. Max! J'ai juste. Bon, arrête de crier, il est en train d'accélérer, il peut pas faire plus! Ouais, tu m'aides pas beaucoup. Bordel, s'il te plaît, j'essaie de nous sortir d'ici, mais c'est. Arrête, putain! Merde, excuse-moi, chérie. Je suis désolé. Attends, mais là, il y a tout qui est décalé, sa grand-mère, là.
C'est arrivé aux autres streamers, les gars, ou pas? Ça peut pas être moi, je suis en double PC, j'ai pas de problème avec mon PC. Après, eux, ce studio, ils sont connus pour avoir des petits bugs, en vrai. Non, c'est la VF, peut-être. C'est bon, ça va. Tout va bien. On est en sécurité dans la voiture, ça va aller. Salut. Putain. Oh, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Baissez la vitre. Il a du sang sous la gorge. Monsieur l'agent, comment voilà, je le crois pas. L'un de vous est blessé? On va bien, vraiment. On est juste un peu secoué. Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? Oui. On a fait un écart. Honnête, quelque chose a surgi. Évasive. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je choisis l'honnêteté. Il va nous tuer, l'agent. Quelque chose s'est jeté devant la voiture. Il a du sang sous la gorge, ouais. Alors, on a braqué et... On s'est retrouvé là. Quelque chose, vous dites? Malhonnête, un animal. Honnête, il faisait sombre. En vrai, il n'y a rien de mal à dire, il faisait sombre et j'ai pas vu ce que c'était. Et il y avait quelque chose. Je suis désolée, il faisait très sombre et tout s'est passé si vite et elle a disparu. Elle? Elle? Vous avez percuté quelqu'un? Non, ouais. Mon Dieu, non, sûrement pas. Enfin, je veux dire, c'est que je ne pense pas, je suis... Je crois pas. Monsieur? Laissez tourner le moteur. Monsieur? Ce type est le flic le plus flippant que j'ai jamais vu. J'en sais rien, c'est la première fois. Que t'es arrêté? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Ça y est, y a pas que les criminels qui sont arrêtés. Ça y est, il va rien faire, on a rien fait de mal. Non mais... Arrêter ne veut pas dire incarcérer. Là, il les a arrêtés parce qu'ils sont dans la forêt en plein milieu de la route, mais... Je peux te faire arrêter, t'as rien fait, hein. Mais pas arrêter, incarcérer, quoi. Je parle de la situation actuelle. Bah voilà, frère. Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez sur cette route au beau milieu de la nuit. Dans ce coin perdu. Bah, en gros, on se rend au camp, on visite. Je dirais, il parle mal, moi aussi je parle mal, méprisante. Peut-être qu'on profite du paysage, monsieur l'agent. C'est un crime. Ah. Madame, si j'en juge par votre façon de répondre, je suppose que vous ignorez que vous êtes dans une zone de chasse ouverte jusqu'à demain. Ah, ok. Oh, merde. Oui, je l'ignorais. On s'est perdu, en fait. Quelle était votre destination? On est en route pour Hackett's Quarry. Pas le camp. On peut loger gratuitement, donc, si. Mais il a du sang sous la gorge! En vrai, faut être gentil avec lui, ça. Je suis un ouf, j'aurais pas dû faire ça. Vous n'atteindrez pas Hackett's Quarry. Pas ce soir. Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer la nuit, d'accord? Je crois qu'on va s'en tenir à ce qu'on a prévu, monsieur l'agent. Monsieur Hackett sait qu'on arrive et on a téléphoné. Non, madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Est-ce que c'est clair pour vous? Héros, j'adore faire tilt les gens. Je viens de LOL. On va à Hackett's Quarry, frère. Sauf votre respect, monsieur, pourquoi on peut pas aller à Hackett's Quarry? Parce que je vous ai dit d'aller au motel. Monsieur, je comprends pas, où est le problème? Madame, veuillez sortir du véhicule. Wow. Quoi? Pourquoi? Monsieur, elle a rien fait de mal. Madame,
Je vous demande de bien vouloir sortir du véhicule. J'aimerais vous montrer l'itinéraire sur votre carte. Ok. Bien sûr. C'est la mort. Vous ! Restez dans le véhicule. Wesh, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? C'est bon, je m'en occupe. D'accord. La merde, ça sort. Sors, wesh, t'es con ou quoi ? C'est bizarre, cette histoire. Mais c'est même pas elle qui conduit, il va lui montrer l'itinéraire. Ok. Alors, on est... Hein ? À peu près là. Le motel Harbinger est ici. Ouais, compris. Et où est Hackett Squarry déjà ? Eh bien, je suis sûr que les propriétaires du motel Harbinger pourront vous l'indiquer. Dès demain matin. C'est le motel à son oncle, il n'y a pas d'autre solution. Le motel Harbinger. Restez sur la route. Théorie. Attendez, et s'il y a quelqu'un par ici ? Oui, je vais voir. Théorie. Bonne soirée. Théorie, ce mec va nous sauver plus tard. Les mecs comme ça, dans les films et dans les jeux pareils, ils nous sauvent tout le temps plus tard. Tu dis, ah ouais, il est louche, il est bizarre, blabla, blablu. Et après, bang, il sort et en mode, ah ouais, c'est le GOAT, merci mec. Je m'attendais, désolé, je t'ai mal parlé, je suis nul. Voilà, c'est tout le temps la même chose. Pourquoi il reste planté là, ce taré ? Ce type était flippant, merci beaucoup. Non, soulagement en vrai. Ce type était vraiment, mais alors carrément flippant. Il aurait bien besoin d'une bonne dizaine de douches. Putain, mais grave. Et les traces qu'il avait là, tu crois que c'était du sang ? Non, c'était du ketchup. C'était un plaisir. Ah merde. La sauce barbecue peut-être. Très bien. On va pouvoir reprendre la route. Ouais. Je crois que j'ai eu assez d'aventures dans les bois pour ce soir. Merci bien. C'est clair. Alors, où est le motel ? Ok, bon, on est ici. Mm-hmm. Et le motel est là. Ok. Mais nous, on va là. C'est quoi ? Hackett Squarry. Comment t'as fait ? Je sais pas, je me suis arrangée pour qu'il me montre. T'as assuré ? T'es sûr qu'on ferait pas mieux d'écouter son conseil ? Merci Moscow Mules pour les 5 subs ! Tu veux vraiment le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ces bois flippants d'aller à un motel flippant ? Non, il vaut mieux pas. Ouais. On va reprendre la route, ok ? Ravi de l'entendre. Madame. Ouais. Non mais je te jure ! S'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. Sérieux, j'ai l'air d'être une madame ? Je serais pas une madame avant au moins 20 ans. Mmh. Ah, trop mal alors qu'il a... 20 ans, c'est... un peu beaucoup. Arrête. Tu sais, j'aime bien les madames. Ok, ça suffit, là. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle scène, ça lag au début, et du coup, après, c'est des synchros le début. Non mais c'est une blague, y'a personne. On s'est tapé toute la route et y'a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message ? Qu'est-ce que ça change ? Ça, c'est ça que ça change. Merci tes traplèges, hic, pour les 21 mois. Je crois qu'il écoute pas ces messages. Et comment j'aurais pu le savoir ? Enfin, y a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd... Pourquoi y aurait une épave ? Ouais. Dans la voiture. Ils entendent pas le bruit là ? Ah mais non, Max, c'est des synchros, wesh, c'est des synchros. Max, sois pas con. Ah oui. Désolé. Mais vas-y, elle casse les couilles, elle, ça y est frère. Faut mourir là. Putain, c'est encore un jeu à choix où je vais tuer tout le monde, c'est ça le problème. C'est ça le problème, frère.
Un mug. Putain, personne n'a fait ça, je pense, dans le monde. Normalement, trouver le mug là, c'est un succès, mais bon. Oh, bah, y'a plus que. Y'a plus que la porte, hein. Y'a quelqu'un ici? Ah ouais, attendez deux secondes. Deux secondes la team. Attendez deux secondes la team, voilà deux secondes, voilà c'est important. Ok. Oh merde. Non non, guette la porte là-bas. Je reconnais, ça ressemble à l'entrée de Silent Hill. Way way. Et on peut pas y aller si on prend pas de bateau. What doesn't kill make you stronger. Sympa. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ici. Ouh, j'ai vraiment pas envie d'aller dans cette porte là-bas. Mais bon, ça y est, frère, faut y aller au bout d'un moment. Je vais peut-être mettre le jeu en VO, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Que si ça bug à chaque fois qu'il y a une nouvelle scène, ça va être une galère en ça. Bah oui, IRL, tu vois une porte comme ça, tu y vas, toi. Direct. Oh mais il est en train de se changer, il faut arrêter de regarder, wesh. Hey. Bah oui, mais bien sûr. Hey, vous allez bien? C'est l'homme chien. Je reviens tout de suite, je vais chercher de l'aide. Rien demandé, wesh. Max, viens par là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la cave, je crois qu'il est enfermé. Ah oui, il y a un monstre enfermé dans la cave, allez viens ma gueule. Je sais pas, je... apporte des outils, on doit casser le cadenas. Il se LeBron James. Hey, je suis là. Je l'ai. On va vous sortir d'ici. Hey. En fragment délire. C'est quoi ça? Je sais pas, t'as dit des outils. Pourquoi t'as pas amené la... La quoi? Il y a quelqu'un en bas. Je vois personne là-dedans. Si, là. Oh, mais regarde, tu crois que ma théorie rien. Était déjà bonne dès le début? Ah non, il a bougé. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ok. Ok, bon. Prendre la clé à molette, prendre le marteau. Si, si, le choix. T'es sûr? Oui, je l'ai vu sur le net. J'ai rien vu du tout. Ouais, je l'ai vu sur le net. C'est forcément la clé à molette, wesh, les gars. Le marteau, c'est... Ça a rien à voir, wesh. Ah, c'est pas avec un marteau. Bah oui. La vache. MDR, les mecs qui écrivent le marteau, vous avez déjà fait du bricolage dans votre vie? T'as besoin d'aide? Oui.
Là, lui, il est dans le mood où il est obligé d'y aller, t'as vu? Je dirais, ça peut être qui tu veux, tête de la merde, je rentre pas là-dedans. T'as jamais vu Evil Dead, hein? Eh oh! Ça peut être qui tu veux, Nani, rien à foutre. Tu peux me traiter de. Ce que tu veux, je rentre pas là-dedans. Vous êtes blessé? Vous existez? Et là, ce fut la mort de nos deux jeunes trucs, et le prologue peut commencer. Une équipe de jeunes qui vont en vacances à The Quarry. Et là, c'est incroyable ce qui se passe. Ouais, faut se barrer, faut se barrer. Bah non, tu sais quoi, on avance. Il y a eu un bruit bizarre avec un truc qui est tombé sur le sol. Excellent, ça m'excite, on y va. Collier ensanglanté. Laisse-moi regarder. Yann. Lan. Oh putain. Oh. Max. Oh, le barbug de Zinzin. Bon allez, il faut rentrer là. En gros là tu viens de trouver un cadavre d'animal. Tout ensanglanté, en gros il faut se tailler là. Mais il faut y aller là, il faut rentrer, bon bah. Le monstre, vous êtes où? Je veux mourir. Il faut y aller là. Chérie, c'était peut-être juste un rongeur. Non, il y avait quelqu'un ici, je t'assure. Eh. La nuit a été longue, ok? Allons au motel, on reviendra demain matin à la première heure et on pourra tout fouiller tranquille, mais... Mais tu dois être épuisé, moi je le suis. De toute façon, les gars! Notre imagination. Max! Max! Voilà, je lui attendais pas. Non, ils m'ont pris de feu. C'est du sang. Ils m'ont pris de feu. C'est du sang, bah. C'est sans blague, fils de pute. Beaucoup de sang, en fait. Bah, elle peut rien faire, hein. Aider Max, abandonner Max. J'aide Max, voilà, je peux pas le laisser. Non, il a tout perdu, miskin. Pas grave, si elle canne, je m'en bats les couilles. Si elle canne, c'est de sa faute. Déjà, qui va? Les gars, un hôtel gratuit, ça n'existe pas. Vous allez forcément vous faire assassiner. Oui, ils vont prendre vos organes ou un truc comme ça, ça n'existe pas les hôtels gratuits. Vous êtes où vous? Ça va, un hôtel gratuit comme ça et personne lui a répondu. Et donc les deux vont mourir et c'était le tutoriel et c'était le keuf. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Harbinger? Bon, j'ai 1 sur 2. 1 sur 2. Après, je parlais pas de maintenant, je parlais de largement plus tard dans le jeu. La VF ruine le jeu. Oh! 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 Les monteurs! Oh là là! Je regarde tout en VO, hein! Mais là, me dire que la VF elle ruine le jeu! Non, faut aller. Mais aller vivre en Australie! Wesh, ça avait du flow quand il a crié! Vous abusez de l'acting de la VO? Je regarde tout en VO, toutes les séries et tout, je regarde tout le temps en VO. Mais là, ça va, quand il a crié, j'étais pas choqué en vrai.
Mais attends, en VO, la tête des joueurs, là, elle est normale ou elle est bizarre? Parce que là, il est tout le temps comme... C'est peut-être parce qu'il parle en français, mais je sais pas si c'est pour ça. C'est pareil. Ok, ouais, bah c'est pareil. Parce que normalement, ça change pas, quoi. Toujours le même mec avec les corbeaux, là. Bonsoir à vous. Devenu. Bienvenue chez moi. Faites comme chez vous. Allez-y. Je vous attendais. Dans tous les jeux, il était là. J'attendais, oui. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre guide dans l'inconnu. C'est fascinant, oui. Et terrifiant. Mais... Gamberge. Avec du courage. Merci à Choukoula pour les 3 mois. Et bien sûr, votre autorisation. Je vous aiderai. Nous nous entraiderons. La carte que vous avez trouvée. Le fou. Le fou. Je me demande de qui il s'agit. Nous savons tous reconnaître un fou au premier regard. Le policier ? L'innocence et la liberté, ou l'irrationalité et les risques, la spontanéité, les actes irréfléchis et toutes les conséquences qui en découlent. Ah, c'était elle. Oui. Cherchez et vous ne vous brûlerez pas. Cherchez et vous ne vous brûlerez pas. Je peux vous en montrer plus si vous le souhaitez. Mais non, c'est parce qu'elle regarde comment elle regarde. Je me suis dit, je vais la fixer pendant 5 minutes. On va voir qui gagne la bataille du regard, mais vas-y, j'ai perdu. Voici ce qui pourrait arriver. Un futur plausible. Un chemin à tracer. Regardez, regardez. Non, faut plus jamais que je regarde. Ça me spoil. Il existe bien des secrets, vous savez. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous, si vous le voulez. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. What doesn't kill you make you stronger? Bon, les gars, on finira demain. On continue demain, les gars. Ça, c'est des blagues de vieux, ça. Relance le jeu en sarre le décalage, je pense pas que ça se règle hein. A plus. On vous aime. On se revoit bientôt. Ouais, Hackett Squarry déchire tout. Mais pour moi, Until Dawn c'était plus beau que ça. Enfin pas plus beau mais quasiment la même qualité. Comment ils ont pas évolué en 15 ans? Tu sais combien de cœurs sont brisés le dernier jour d'une colo ? Une vraie romantipocalypse.
Attendez deux secondes, pause. C'est pour le X cassé. Merde, voilà, je sais pas écrire. Je sais pas, jouez entre vous, les gars. Ça y est. Ça y est, frère. C'est bon? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Il s'en remet vas-y, pensif. Enfin, on sait jamais. L'univers a sa façon à lui de régler ce genre de choses. L'univers? Ouais, tu sais, les dieux de l'espace cosmique. Les dieux de l'espace. Parfaitement. Ok, accouche. Il n'y a rien à dire, c'est vrai, ça va. Oh, ça va. Ça va super bien. Elle t'a largué, c'est ça? Arrête, lâche-moi. Le mec à la casquette, on dirait Gibbs un peu, non? Salut, Emma. Salut. Ok, ça c'est... Non, ok, non. Tu connais le concept de conscience spatiale? Non, je parie que c'est un truc d'intello. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux? Oui, chef. Et salut Emma pour moi. Mais t'es vraiment une teigne. Et j'assume. Il y en a 50, ouais. Non, mais je pense à 10% en dirigeable. Arrête de bouger la tête, frère. Non, je retire. Je retire sans pas, Gibbs. Je retire, j'accepte mon erreur. Gibbs X-Lock. Alors, il ressemble pas à Gibbs, mais il ressemble plus à Gibbs qu'à Locke, par contre. Parce qu'il ressemble pas du tout à Locklear. Je pense qu'il faut arrêter la droga, les gars. Ah, ouais. Merde! Espèce de putain d'araignée de merde! Parle mieux, frère. Écraser, jamais écraser les araignées, jamais! Ouais, vas-y, jamais casse-toi. Pas jamais, dans ma religion. Les musulmans, ils savent. Et lui, pourquoi ils mettent pas avec les bagages? Qu'est-ce que tu fais là, toi? D'après les infos du journal local, le Norse Kelgazan, des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée. Hé, hey, qu'est-ce que t'écoutes? Intéressant. Moi, j'explore, les gars. Désolé si je suis lent, que je bombarde pas, mais moi j'essaye d'apprécier le jeu, donc voilà, j'essaye d'explorer. J'ai rien à rater. Petite balade, petit soleil. C'est Atari. Non mais, il vient de rater un truc. Mais non, c'est parler au mec. Ah, là, là. Oh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis pas d'humeur là. De pute. Ah non, je veux.
Ah, mais moi, ça me rend fou, moi. Il y a une blague écrite sur un papier, personne t'a demandé de le lire. C'est pas vrai. Hey. Hey, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas? Ah, en fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, elle arrête. Est cassée. Dylan, non. Je cache, pas, c'est... Il me reste des sacs je à descendre, ce sérieux. C'est pas de ma faute. Dylan, arrête. Désolé. Cool, merci les gars. Ils font quoi à l'intérieur, eux? Désolé, désolé. Normalement, je peux me focus à 100% sur le gameplay maintenant. Désolé d'être un homme d'affaires accompli et d'avoir des trucs à gérer à côté. Mais ouais, je vais me focus sur le jeu. On va retourner voir le mug. Plaque du camp, ok, bah c'est un indice, nice. 1953, on retient la date. Il y a encore le mug. Voilà, dinguerie de l'année. La lenteur du jeu beige. Les gars, dans la vie, vous vous rendez fous, voilà. Cool. Faut savoir marcher, respirer, tranquille, wesh. Ça y est, ça dure 5 minutes, ça fait 5. Juste avant, ça allait trop vite, là, ça tranquille, c'est le début, c'est normal, wesh. Abuse de l'arrêt de la vitesse. C'est vrai que, vas-y, c'est pas le mec qui marche le plus vite du monde, mais. Après, moi, j'ai dit que j'allais jouer de manière lente et studieuse. T'as vu, j'ai envie de rien rater, là. S'il y avait un truc ici, je l'aurais pas raté. Mais comme par hasard, les devs, ils ont rien mis. Attends, avant d'aller là-bas, je crois que je peux aller en bas. Ah, désolé. Ah, voilà, il y a un bureau, mais il n'y a rien dessus. J'ai failli le rater. Oh, je voulais juste voir à quoi ressemblait le bureau. C'est pour faire un barbecue, ça? Mais attends, mais qui les a ramenés ici, frère? Keep out, Consellors only. Mais attends, mais ils font rien depuis tout à l'heure, ces bâtards. Attends, avant d'aller les voir, voilà. C'est sûr qu'il y avait un indice ici. Cette baraque est en train de s'effondrer. Ah si, c'est l'indice. Oh. Oh la vache. Oh la salope. Il se chie dessus, wesh. Moi je viens de la droite. On peut pas courir, frère, ou au moins vas-y accélère le pas. Ah, la tempérance. Ah bah j'ai trouvé la carte. La tempérance, ça veut dire qu'il va falloir faire des choix calmes et tranquilles, quoi. Merci Wizam. Naps, la tempérance. Pas mal. J'aime bien. Ça me fait rire. J'aimerais pas être coincé ici. Et il va être coincé ici plus tard dans le jeu, c'est ça? Ok. Je balance cette théorie. Oula, j'ai cru que le jeu allait nous quitter sur ce... sur cette fin de décor. Ok, vas-y, on avance, tranquille. Là, il y a les sacs. Donc là, ça veut dire que si j'appuie sur A, sur les sacs, ça veut dire que ça sera l'étape suivante. Mais j'ai envie de tout explorer en vrai, désolé. Il fait quoi, lui? Pourquoi il est déprimé, poteau? Ok, sérieusement? Vous avez fermé? Alors, pour ma défense, un, c'était une idée de Dylan, et... deux, c'était super marrant. Ah, ok, ouais, c'est très très marrant. J'y suis pour rien, mec. Ok, laisse tomber, tu m'aides à descendre les sacs ou pas?
maintenant. Faut que j'attende ici que Monsieur H nous rende nos portables. Désolé. Monsieur H ? Je crois pas. Pourquoi les escaliers sont bloqués ? Bah apparemment c'est pour empêcher les ratons laveurs et autres vermines de saccager l'étage. C'est Monsieur H qui le dit, hein, pas moi. Ah ! Super ! Mais pourquoi wesh, il est, on dirait il est fou lui. Oh. Putain, j'ai cru qu'il y avait un indice de fou là-bas. C'est toi, Dylan ? Arrête de me faire chier, c'est déjà en cours, Jacob. C'est parce qu'il est en train de chier, en fait. Oh, comment il rend ouf. Je retoque. Il va bien se passer. Il va m'insulter ma mère au bout d'un moment, non? Non. Ok. Bon. On peut avancer. Désolé les gars, j'ai pris mon temps, mais on peut avancer. Ok, tranquille. On arrive sur les sacs. On appuie. Merci, bye Thomas. Mais pourquoi il sort les sacs alors qu'il faut les rentrer? C'est bon. J'ai les sacs. Ah non, ils partent en fait. Cool. Et t'as fait ça tout seul, hein? Eh ouais. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine. T'es sans pitié. Bah au moins je suis honnête. Ah, ok, c'est parti. Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe? C'est qui Emma? Défensif, occupe-toi de ton cul. Taquin, et toi alors? Ok, vas-y, tu sais quoi? Taquin, il faut rebondir. Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est moi qui raconte pas toute l'histoire, hein? Et dis pas Nawak, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Ouais, ouais. Oh. Le mec a fait la traduction à 73 Pardon, ans. Non, j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi. Non. T'allais me raconter à moi comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan? Le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi? Je le savais, malicieux, sexy. Oh, malicieux, c'est bizarre. Oh, malicieux, je le vends bizarre. Ah, oh, sexy, hein. Oh, sexy, hein. Ouais, si tu le dis. Écoute, les filles du dortoir 7 ont fait le classement dès le deuxième jour. Il y avait Ryan, moi, bien sûr, puis Dylan, Emma, Abby. Ok. Nick, ensuite Monsieur H et... Ok, c'est bon, tu veux bien abréger? Merci. Ouais, c'est tout, tout le monde y est. Ah, trop drôle, quoi. Alors elle t'a juste largué comme ça. Bon, ok. Elle était en mode, comment ça pourrait marcher entre nous? Différentes facs, blablabla. Bla. Et de mon côté, j'étais plutôt, peut-être à distance, blablabla. Bla, bla, bla. Et elle m'a fait genre... Et genre... Jacob... Elle t'a fait le regard... Ouais, sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, y a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment elle fait ça? Ce n'est qu'une amourette. Peut-être que ça me plaît. Ouah, le grand retour, on dirait, c'est un clip, là. Courageux, courageux, t'inquiète, t'inquiète. Non, y a rien, y a rien. Non, mais franchement, sérieux, elle a pas tort, avoue. C'était juste une aventure pendant les vacances. Qu'est-ce que j'aurais pu espérer de plus? Voyons. Amour, stabilité, engagement, mariage, maison, enfant, maîtresse, enfant, divorce, solitude, droit de visite, pension alimentaire. Réconciliation surprise, maison vide, retraite, petit-fils, petite-fille, petit-fils, maison de retraite, et pour finir, mourir dans les bras l'un de l'autre et être enterré côte à côte comme ces squelettes vieux de 1000 ans qu'on a retrouvés à Rome. Je suis pas trop loin du compte. Abrège, wesh.
Oh merde, désolé, c'était Ryan et moi. Laisse-moi voir. Ah, j'ai trouvé. Toi, ça dit juste... plan cul. En fait, c'est juste une liste générique pour tous les mecs. Ah. Ouais, c'est pas faux. Ok, est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tête ferraille... Je n'ai pas convaincu. Jette un œil. En vrai, elle est marrante. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hé, ce qui ne te tue pas te rend plus bof, fort. Bof, regarde, toi je t'ai pas tué. Encore. Mais t'es toujours aussi nul. Hé, lâche-moi. Ok, donc... c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste ? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas, arracher le doigt d'allumeur. Non, ça c'est un comportement bizarre. Et oui, tu serais un parfait enfoiré. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi ? C'est pas ça, frère. C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Ça y est, elle veut plus sortir avec toi, c'est Jacob, bon frère. T'es bien conscient que, même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, ta décision est prise. C'est un comportement bizarre, ça y est frère, c'est terminé. Fais rien à la voiture, on taille. Couper l'arrivée du carburant, prendre le doigt d'allumeur. C'est quoi le moins grave, sa grand-mère? Je pense couper l'arrivée de du carburant, faut juste du scotch. Après, le doigt de l'allumeur, si on le prend et qu'on le perd, on peut pas le retrouver. Alors que si on coupe l'autre, il faut juste du scotch. C'est plus facile de trouver du scotch que de trouver un doigt. Je vais aller sur ma théorie. Oh, ça a l'air important. Oh putain, la voiture elle va exploser. Sans faute, okay. Oh, c'est la pire idée de l'histoire. Oh, la voiture elle va exploser, sa grand-mère. Hey, ah ouais, gars, la vision elle explose dans la vision. On dirait qu'il mijote. La voiture elle explose. Hey, Jacob. Non, 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 mec. Non, non, fais pas passe ça. Long. Oh, Nick. Ah, mais. Oh. Boum. Oh. Allez. Oh, c'est un enfant. C'est bien fait ce jeu. Oh. Hé, hey, dommage que j'ai pas de billets. Taré, je suis entouré de tarés. Oh, enfin. Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables. Tu te remets jamais en question, en fait. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. À moins, bien sûr, que se faire larguer soit une urgence. Bim. Allez, bâtard. Il est bizarre, lui, on dirait c'est lui, il a géré Emma, frère. Ta gueule, pauvre con. Au moins, j'ai conclu. Mais pourquoi... Mais pourquoi il sourit comme ça? Ta gueule, pauvre con, frère, ça c'est pas... Ta gueule, pauvre con. Excuse-moi, c'était une blague. Je voulais pas te blesser. Bon, vous êtes prêts à bouger? Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Bah, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver. Hey, il m'énerve, c'est petit là, frère. N'hésite pas à jouer le jeu là. Ah, j'aime trop les CD vides comme ça. C'est quoi ces dialogues? Ouais, la traduction elle doit être un peu foireuse, je pense. Cabanon du camp Hackett's Quarry. Du coup, c'est elle, Emma? Wesh, elle dessine bien quand même. Merci, Platypus. Coucou, vieux hibou. Alors, on en est où? Oh, putain, les gamins ont enfin foutu le camp. Top là, en haut.
Ça m'a mis un QTO pour un check, là. Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Porte fermée, sac coincé. Tranquille, ça pose les bases, on a plein de personnages. Chier. Ouais. Que des personnages détestables en plus. Je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Aller chercher la clé. Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Laissez les sacs, entrez par effraction. Entrez par effraction, il y a nos sacs dedans. Ok, je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennui. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Et alors? Il pensera que c'était un ours affamé. T'as déjà vu un ours dans ces bois? Mais pourquoi? Non, elle... mais ça veut pas dire qu'il y en a elle pas. Elle la regarde pas, là. Pas faux. Ok, on y va. À trois. Un. Deux. Deux. Trois. Si, si, les fractions, frère. Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Ouais, parce que j'ai toujours raison. Tracé, en plus. T'es sûr qu'ils vont croire que c'était un ours? Oh, sérieux, respire. On a tué personne, ça va. Y a rien sur la porte. Juste sur la porte, bon, c'est bon, wesh. Je vais juste refaire un tour pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Vas-y. Okay. J'arrive pas à croire que même ces ressorts pourris vont me manquer. On aurait pu se passer de ce commentaire, non? Hein? Un article sur ce lieu paumé? J'allais voir s'il y a écrit quoi. Freak show goes up in flames. Ok, donc le truc de cirque qu'on a trouvé au début, il a brûlé. Voilà, c'est la traduction exacte. Oh, c'est la peluche d'Izzy. Non, prends pas ça, pause. Donne-moi le choix de la laisser. Je veux jouer à un jeu. Non. Jette ça, frère. Gardez, laissez. Qui dit que sa mère, Izzy? Je sais pas c'est qui, mais va te faire foutre. Ouais, tu peux sans doute rester là, espèce de petit monstre. J'ai juré, je veux pas. Non, les gars, ça, c'est la mort, ça. C'est bon, j'ai tout fait, non? Ça, c'est les ressorts de merde. Et là-bas, je peux pas y aller. Ok, c'est bon. Let's go! Attends, mais là, ils ont laissé une surface immense. Il y a un corbac là-bas. En général, les corbeaux, ça donnait des prémonitions dans les jeux d'avant. Non, vous avez vu la peluche, jamais on la récupère, hein. Jamais de la vie. Oh, j'ai mis trop bien les corbeaux. Ça va me faire bizarre de pas être réveillé par les annonces de Dylan. Ah, trop bizarre. Allez. Mais elle voit un corbeau, elle a pas peur, elle se dit pas c'est bizarre là, il y a un corbeau. Hé hey, arrête ça. Mais il a rien fait. Voilà. Sérieux quoi, le corbeau, ce qu'il a fait. Ok, y a rien. Y'a rien. Les gars, je cherche partout, moi, je suis un explorateur. Mais le problème, c'est que là, ils ont donné une zone immense. Il y a non seulement la petite maison de merde, mais il y a tout. Je peux pas ne pas visiter, en fait. Arrête, c'est fermé, ça a rien d'y aller, je pense. Un peu de balançoire.
un truc au sol. C'est pas Cluedo, frère, mais j'aime bien avoir des indices. Oh la dinguerie, il y avait écrit quoi? Mais frère, je voulais voir, il y avait écrit quoi? Ouh, j'espère que Jacob n'a rien vu. Il y avait écrit quoi, wesh? Fiole vide. Oh, ça se drogue. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? C'est à Dylan? Elle sait faire que... Jacob plus Emma, forever. Et après, elle a supprimé Ever et elle a mis Summer. Oh, c'est une dinguerie. Jacob, je vais te sauver ma gueule. T'inquiète. Il y a le plat, il y a le plat du jour là-bas. Il est écrit. Oh, je suis obligé d'aller visiter. Shooting Stars. Je crois pas que Kathleen ait quitté la première place de tout l'été. Ok. Ça, c'est de l'info, quoi. C'est ce qu'on voulait savoir, merci. Kathleen, Silas, je commence à comprendre ce que vous êtes en train de faire, le jeu. Waouh, ils avaient une piscine et tout, mais le camp Quarry, c'est de la frappe. Wesh, la piscine, elle est incroyable en plus. La piscine de fou. Moi, je pensais que ça pouvait sa grand-mère, mais le camp Quarry, c'est quelque chose, hein. Et là, le grillage, il est truc, ça change rien, y'a rien. Je vais pas monter? Non, je vais pas monter. Bon, vas-y, on style. J'ai la flemme de chercher partout sur le terrain. C'est gratuit en plus. Non, je pense que c'est plus gratuit. Les gens, ils ont dû faire le buzz sur... Tu sais, ils ont dit il y a eu deux meurtres et tout. Et ça a fait le buzz. Prête à y aller? Après, les mecs comme le Grand JD et tout, ils sont partis faire une vidéo. Hop. Et du coup, maintenant, ça c'est populaire. Perplexe, pas encore, enthousiaste, allons-y. Vas-y, j'ai la flemme de chercher. Allons-y. Ça a vraiment existé, ça? Ouais, tous les jeux. En fait, le studio, ils font un truc spécial. On va pouvoir souffler et se tirer de ce trou paumé. C'est que tous les jeux sont inspirés de faits réels. Comment tu peux être si rayonnante, agaçante? Genre, ce studio, ils font vraiment que des jeux histoire vraie. Merci, entre des... En fait, c'est pas vraiment histoire vraie, mais ils prennent la base d'une histoire vraie. Et après, il la modifie et je raconte de la merde tout à l'heure, c'est complètement faux. Sûr de toi. C'est du spectacle. C'est ce que je veux dire. Ah, oui. Alors tu fais semblant? En fait, dans un sens, faire semblant, c'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Bon, ça commence lentement, les gars, mais vous en faites pas. Non. Ce genre de jeu, ça va très vite à bout d'un moment. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi? Je dis ça pour que vous restiez regarder le stream, par pitié, restez. T'en merci Tizi, rien, merci Jérémy. Wow, le néo-drift. Joli coup de volant. La trouille. Merci Mathis Gaming. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne... et si jamais ça foirait comme toi avec Jacob... Ah, donc... Fait, à gauche, c'est Emma. Pourquoi tu le quittes? C'était l'été. Va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais ça, c'est nous. Toi et Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact, écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé son au début. Son email? Merci, Brooke. Son email? T'es si vieille que ça. T'aimes pas les emails? Merci, Aguila. Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh, mais le chalet est par là. Va par là. Pourquoi? Allez, une balade. Un dernier tour triomphal autour du camp. Wesh. C'est trop de la frappe, ils ont des voitures de golf. Retour au chalet, Belvédère.
horrible, je suis obligé d'aller à droite. Yes. Ok, c'est quoi le triomphe? 2 mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, bah pas moi. Et puis, mes pauvres abonnés. Frère, t'as une voiture de golf, tu roules à 2 à l'heure comme ça, accélère, c'est trop de la frappe. Qu'est-ce qu'ils feraient sans toi? Oh, ça, c'est de la frappe. Je pense pareil, les gars. Je pense pareil quand je vais en vacances, les gars. Vivre 2 longs mois sans toi. Aucun de vous ne saurait pas, j'ai une base d'abonnés qui sont très fidèles et très motivés. Je leur fournis des conseils de vie et de scolarité essentiels sous la forme de monologues filmés hilarants et captivants. Tout pareil, ils ont besoin de moi. Oh, mais c'est clair, t'es une vraie star. Bah, grave. Eh, hey, grâce à moi, il y a trop de gens, ils ont eu leur bac. Non, mais je suis sûre qu'ils seront super contents que tu reviennes. Mon coin préféré? Le feu de camp? Non, l'île. L'île? Elle est grave isolée, non? Ouais, ça a l'air charmant. C'est de la fumée? Oui, ils font un barbecue là-bas. On le signale aux autres? Il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrée. Ouais. En parlant de ça, on devrait sans doute, tu sais, rentrer. Non, ouais, t'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi. Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Mm-hmm. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Ah, l'autre, il a foiré la voiture, tête de la mère. Tu t'attends c'est... Les autres, tous, c'est pareil. C'est dingue, ouais. C'est ça, hélas. Elle ressemble pas à la meuf de 13 Reasons Why, Emma. Mais personne n'a regardé 13 Reasons Why. Donc je ne sais pas, frère. T'inquiète, Jacob. Compte sur moi. Je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Bolos. Bolos. Eh, y a plus personne à de chargeur, sérieux. Eh, y a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. Oh, c'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. J'ai bien aimé. Bref, je vais tirer un peu de jus à Monsieur H avant de partir et... Oh, Burke. Ah ouais. T'es ouf. Hey, Nick. Eh, où vous étiez? Oh, t'es bien curieux, dites donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends. Don, je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule, merci. T'es sûre? Parce que moi, ça me dérange pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule, merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Wow, c'est une dinguerie, wesh. Cool. Hey, en vrai, tant mieux pour lui. Tant mieux qu'elle l'ait quitté, wesh. Tant mieux pour toi. Coup de coude. Vas-y, coup de coude. Je sais pas pourquoi, mais coup de coude. Oh, Abby, tu veux que... Ouais. Je peux... Oh, merci. J'ai juré, je ramasse pas. T'es fou, quoi. Ils vont pas abuser non plus. Oh non, je ramasse pas, c'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un sait où est Ryan? C'est qui Ryan déjà? Il doit être dans son coin en train de broyer du noir hyper sexy. Ah et si, c'est le mec avec les écouteurs tout à l'heure. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous? T'étais en train de te toucher? Non, j'écoutais un podcast, figure-toi. Oh, le seul mec podcast, sympa du jeu pour l'instant. Cool. Ça parle de quoi? Occupe-toi de ton cul, ça parle de moi, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est lui qui doit répondre? Ça parle de feu. Vas-y, je vais mettre amical. Ouais, ça parle de quoi? C'est sur moi? Tu crois que j'écoutais un podcast qui parle de toi? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait « Comment vivre avec une tête de cul ». J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois drôle. Pas vivre avec une tête de cul. Bon, là, c'est forcé un peu. Quand même. Non, c'est un podcast sur le paranormal et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. Bizarre, comme par hasard. La folle de Hackett's Quarry. Hein? De quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est la blonde du début. C'est qui, la folle de Hackett's Quarry?
Tu connais pas la folle de Hackett Squarry? Sinon je demanderai pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett Squarry. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squarry. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squarry? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Ouais, c'est vrai, j'ai vu le prospectus. À la recherche de son petit garçon. Silas, l'enfant chiant. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seul, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer, ou... Je sais pas, en fait, c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett Squarry. C'est des conneries. Ah bah ça y est, c'est des conneries, c'est dit. C'est vachement intéressant. Les têtes, elles me terminent. Tu peux proposer mieux. Vous auriez... Vas-y, tu sais quoi, je vais le rendre détestable, lui. Ah ouais, t'as mieux à proposer? Ah non, c'était pas du tout sarcastique. Je l'ai pas très bien raconté. Non, sérieusement, je me suis juste mal exprimé. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec, c'est réel. Non, sérieux, c'est n'importe quoi. Ce fils de... Alors, les jeunes, vous êtes encore là? Ouais, bah on c'est y va. C'est Pochettino. Allez-y, alors. Ah non, c'est Franck Lampard. Fichez-moi le camp d'ici. Pardon, monsieur H, on a dû libérer nos bagages. La ferme. Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec c'est ses Franck Lampard, ouais. Attends, c'est toi? Des fantômes. La folle de Hackett Squarry. C'est vous qui avez la clé, monsieur H? Ah oui, c'est moi. Il s'appelle Hackett. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Ouais, je sais que c'est un acteur. Il joue dans Grey's Anatomy, non? Oh, j'arrive. Hey, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Il n'y aurait pas moyen que je me branche quelque part? Je voudrais un peu de musique pour la route. Pas possible. C'est pas juste compréhensif. C'est quoi, lui, je vais le rendre détestable. Sérieux, allez, vous êtes carrément j'irai pas cool, mon wesh. Pote, je suis le gars le plus grave cool de toute la Terre, wesh. Je veux juste écouter de la musique sur la route. Allez, ça suffit. 5 minutes, juste 5 minutes, je demande pas plus. Mec! Il a dit non, Dylan. Ok, ouais, je sais, mais je voulais juste... Ferme ta gueule, mec. On se retrouve dans le van, ok? Petite pause. Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, je suis pas viré, au moins. Non, c'est juste... Vous savez... Non, c'est juste... Vous savez, à propos de cette histoire avec... Allô? Une petite minute. Il va falloir que je réponde. Ah, ouais. Ok. Merci, Red Dope. Oh, pardon. Allô? Écoute à travers la porte. Écoutez le podcast, espionnez. Quoi? Parce qu'ils sont jeunes. Je ne peux pas trop les pousser, sinon... Ils vont bientôt partir, d'accord? Le temps commence à presser. On ne veut pas avoir... Attendez encore un peu, d'accord? Je maîtrise la situation de ce... C'est le policier du début qui a vu. Nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons. C'est une perte de temps. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons. Non. Il parle de l'homme chien. Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner, et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Adios. Mais ouais, je t'entends qu'il arrive. Pardon, j'étais pas... je vous écoutais pas, j'étais juste en train... Ouais, j'ai le temps de réaction. Enfin, je vous... je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, viens. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Merci, tic-tac. Je peux vous aider à retrouver les clés? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais, enfin... Bref,
qu'est-ce que tu me disais ? Ouais, c'est au sujet de cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire, est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus ? Parce que ma mère est pas vraiment présente et je veux pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas... S'en bat les couilles, une très grande famille. La famille, c'est sacré, Ryan. Oh, la phrase bateau qui lui envoie à la gueule. Bon sang. Tranquille. Vous êtes sûr que ça va ? Algérie, il est préoccupé quand même, il est bizarre. Hein. Mon sang. Si tu savais. C'est très bizarre quand même ce qui se passe là. Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. C'est un moniteur ? Mais tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Bah oui, mais je savais pas, moi je pensais qu'ils étaient... Je pensais que c'était un élève comme un autre. Ça va, c'était juste pour rire. Oh, c'est juste une histoire que ce gamin bizarre m'a racontée. Hé, y a pas de gamin bizarre ici. À Aketsquari, chacun de nous est cool à sa manière. Les moniteurs sont censés être des gens responsables, faire plaisir aux gamins et bien s'occuper d'eux. Alors reprends-toi. Ouais. Bien sûr. Enfin, on est... Ça va, il a rien fait de mal, ouais. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Ça, c'est un truc bizarre, cette nuit. Merci, Emrix, pour les 17 mois. Pourquoi ? Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est... vital. Ok. Donne-moi une minute. Bizarre, frère. Merci, Tom. Nom de Dieu, mais où sont ces clés ? Vous direz au revoir à Caleb et Kylie pour moi ? Je les ai pas vus partir. Ah, tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année. Et Kylie... Disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ah, je te jure, mais vas-y, trouve les clés, frère. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirai que tu regrettes de les avoir ratés. Oui, oui, tu leur diras. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche... Mais non, c'est pas les deux du début. Je suis monté dans le bureau... Là où je les avais laissés. Ah. Allez, en route. Allez, on y va. Ça va enfin commencer, les gars. Ça va commencer. Tu venais d'arriver, ça fait 6h20 que je joue au jeu et là, ça va démarrer. Merci, Voltacoud, merci, Frio. Assure-toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Bah, mais qu'est-ce qui se passe ce soir ? Hey, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant nous ? Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Ah ouais, il serait full batterie, là. Merci, Nicrote. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux, parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Ah, mon... Allez, en route. C'est quoi le problème ? Ah, bah je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est genre HS. D'accord, laisse-moi faire. Eh, je vous raconte pas d'histoire, il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi ? Assez ! Arrêtez tous les deux. Oh, ça y est, on dirait s'embrouiller, frère. Merde. Allez. Mais doucement ! Eh, stop ! Eh, putain !
dégage là, frère. Non. Écartez-vous tous, vite, vite, vite. Mais il va faire quoi, là? Arrête-toi, stop. Oui. Je m'en occupe. Eh oh, mec, je voulais juste t'aider. Il a pris une petite bouteille d'eau. Ok. Bon ben, okay. Écoutez, c'est pas si grave, d'accord? On n'a qu'à passer la nuit ici? Non. Non. Non, arrête. Je réfléchis. Ouais, hein. Je vais le poucave, moi. Ah, ferme-toi à tort. Ok. Bordel. D'accord, d'accord. Ouais. Malade, lui. Quoi? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a? Hé, hey, Ryan. Viens ici une seconde. Ah, je pense qu'ils ont mis des QTE, parce... des QTE. Bah, pour rien, parce que vas-y, le début, il est lent. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes, personne n'entre, personne ne sort, personne, compris? Oui, chef. Ok. Je reviens demain à la première heure. Et vous pourrez prendre la route. Mais attends, là, il va prendre le camtar. Par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre? Je vais le faire paniquer un peu, je suis un bâtard. Attendez, faut pas qu'on sorte jusqu'à demain matin? Pourquoi? Vous allez où? Ryan, il faut que tu me fasses confiance. Comme je te fais confiance. Juste le rendre fou. Tu peux faire ça? Je vois, il est stressé de ouf. Ferme les portes. Et par pitié, ne faites pas de bruit. Mais les enfants, restent avec nous pour les protéger, non? Bon. Mais il peut qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est vrai, il aurait pu il juste tous nous déposer en deux allers-retours, quoi. Et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma. C'est une putain de blague. On est censé faire quoi? Ben, on devrait rentrer, faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer. Jusqu'à demain. Ouais. Ou. Ouais, ou. Faire un barbecue. Ou on pourrait faire complètement autre chose. Non, nique ta mère, toi. Non, 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 pas question, non. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron, maintenant. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non? Casse les couilles, celui-là. Ok, ok, ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Putain, il va tout baiser, ce bâtard. Oh, mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis? Non, lui, il ouais, est trop... je suis. Dylan suit, évidemment. Jacob t'es avec un sa bon, casquette, toi. Là, vas-y. Wesh. Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma, t'en dis quoi? Ouais, je te suis. Monsieur Hackett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. Il essayait de nous faire flipper, c'est tout. Comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur? Ah ouais, pourquoi? Il avait l'air de flipper. Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper. C'est mort, ils vont vouloir aller dehors dans tous les cas. C'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Ouais, mec, mais... il n'en saura rien. J'ai promis. Non, 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 mec. Écoute. C'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu veux pas décevoir papa. C'est une tête. Défensif. Il ouais, bah, au moins, je suis responsable. Oh. Vous savez quoi? Vous faites tout comme vous voulez. Oh. Moi, je fais comme Chris a dit. Hey, on sauve Ryan à tout prix. Ryan, sérieux. Allez. Ça y est, va le faire ton feu. Va, vas-y. Moi, je sauve Ryan à tout prix. Ok, allez, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée.
C'est parti. Bon, pour commencer... Lui, c'est le premier à mourir, je vous le dis. Lui, je ne raterai pas l'occasion. Je suis expert quand il s'agit de faire mourir les gens dans ce genre de jeu. On ne peut pas faire mieux que moi, il meurt tout le temps. Et lui, je vous assure qu'il va être dedans. Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Emma et moi... Tire-liste des mecs à faire mourir. Pour faire des lui en premier, et Emma en deuxième, Caitlin en troisième, lui en quatrième. De recharger nos portables. Et les autres, on n'aura pas, on n'a pas allez, encore parlé avec. Allez, on y va. Merci à Momsy. Waouh, le sniper. Non, me dites pas que je dois reviser à la manette pendant le jeu. Bah oui, il y avait la chasse nocturne la dernière fois. Allez, tire, mec, tire, tire. C'est John Cena. Oh, on dirait vraiment Carl dans Détroit, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes studios, donc je pense pas qu'ils aient repris un perso. Le vieux dans Détroit, oui, mais c'est pas les mêmes studios. Détroit, c'est Quantic Dreams. Là, c'est Supermassive Games. Unching Season. Merci Chauve, énervé. Et bah c'est pas les mêmes jeux, en fait c'est pas les mêmes studios, ils sont en concurrence. J'espérais bien vous revoir un jour ou l'autre. Bonjour. Voyons ce que vous avez. La tempérance. Pour l'équilibre, la consommation modérée. Ou l'excès et la fougue. Naps, la tempérance. La tempérance, c'est un choix. Merci Ayman, 4K. Mais souvenez-vous que parfois, la tempérance apporte une lente gratification. Je peux vous en montrer plus, si vous voulez. Non. Je veux juste continuer, moi. Bien. Bien. Quelqu'un a compris ? Des colliers ? Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute. Mais le temps n'attend pas. Pas ceux qui ont une histoire à conter. Prenez garde. Prenez soin de vous tous. Les amis, premier mort arrive. Et essayez de trouver mes cartes. La première mort arrive ou c'est le prochain chapitre, vous pensez? Je sais pas, on verra. Chapitre 1. Bah, en vrai, je pourrais continuer. Merci Migro pour les 11 mois. Eh bah, on en est là. Coincé dans les contrées sauvages d'Amérique à devoir lutter pour survivre. Ouais, la story. L'humanité vaincra-t-elle ? Ou deviendrons-nous voraces à manger la chair des cadavres comme ils font dans ce film avec le crash aérien ? C'est la colline à des yeux, le film. Entrée, filet de Jacob. Tendre et consistant, ce gros tas de muscles risque de vous laisser un goût un peu désagréable dans le palais. On apprend à l'apprécier, diront certains. Allez. Wow. Quoi ? Psst. On dirait que t'essayes d'enfiler une aiguille avec un paquet de saucisses molles. Arrête ça. J'y suis presque, ok ? Putain de... Et pour info, tu fais des comparaisons blessantes. Ok. Je vais y arriver. Une seconde. Wow. Et voilà. Elle est malade. C'est bon, j'aurais pu le faire. Tu m'as mâché le travail.
Ah, j'étais obligé d'appuyer sur A, les gars. Ok. Bon. Si j'étais une bière, où est-ce que je me cacherais? Bip, 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 bip. Qu'est-ce bip, que tu fous? Bip. Oh, ça c'est... C'est mon radar. Il m'aide à détecter la bière. J'avais jamais remarqué... C'est insoutenable, les blagues, j'en peux plus. Quoi? Mais c'est... C'est mon radar à bière. Je vais aller de ce côté-là. Wow, les gamins ont vraiment tout raflé. Monsieur H adore ses accessoires. Elle veut dire quoi par là? Oh, le vilain code secret. Il est sûrement fermé. À moins que... Je sais pas ce que j'espérais. Il faut trouver le code. Oh, mortel. Oh, jackpot. Ouais, je suis là de la force quand même. Attends, mes grosses pastèques. Oh là là. Tu découpes un trou dedans. Mm-hmm. Tu le remplis de vodka. Et c'est parti. Tu verses carrément la vodka. Malade. Ouais. C'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée. Sauf, tu sais, tu peux aussi. Oh non. Je vois. Je vais vous laisser entre vous et aller chercher d'autres trucs. Un enfer, en fait. C'est quoi ce... Non, lui, il faut que je le tue. Il faut que je le tue. En tout cas, le vieux, c'est le mec qu'il avait tout à l'heure, Monsieur H, au téléphone. 100%. Faut que je trouve le code. Il fait quoi ici? My guy froze. Oh, ça c'est le truc du show. Arum Scarum. Je sais pas ce qui se trame ici. Mais les deux chasseurs là. C'était bizarre cette histoire. Et est-ce que se recouvrir de sang, c'est pas un cheat code? Qui achète cette merde? Un peu comme dans The Walking Dead quand tu prends l'odeur des zombies. J'ai pas vu ce que c'était. Afficher le texte. Camp de vacances à quête soirée. Ouh là là. Il faut pas avoir peur d'eux, je pense pas qu'ils vont nous tuer. Ça avait l'air d'être des êtres humains normaux, juste pas un peu fous quoi, mais... Ça a pas l'air d'être des monstres. Salut les gars. Prends le masque. Trop bien. Effrayé Jacob. Je peux pas laisser passer une occasion pareille. Dites-moi, vous avez déjà vu un adulte se pisser dessus? Restez avec moi. Et là, elle met le masque et elle devient le masque. La dinguerie. Mon Dieu. Il y avait pas une araignée d'accord, sur le masque? Où je pourrais me cacher? Jacob. Emma? Ah oui, bah il va pas cramer que c'est toi quoi. Merci Gotsu pour le sub. Si t'essaies de me faire peur, ça marchera pas. T'as pas peur des clowns? Non. Ils sont marrants. Parce que ça, c'est censé être marrant? Eh ben... Ouais. Wow. Oh, j'ai pas pu bien explorer, ça me dégoûte. Et là, tu trouves que c'est marrant, mon garçon?
C'est que... Tu veux te joindre à 20 de mes amis clowns sexy dans une petite voiture dans laquelle on peut toutes rentrer super facilement? Je... Bah quoi? My guy froze. On en reparlera. Ok, nice. Je pensais que j'allais plus pouvoir checker ce qui se passe ici. Hop, comme ça, ça s'est libéré. Donc c'est super important pour la suite de ce qui va arriver ici. Ok, vas-y, on va trouver quelque chose d'autre. On va tenter un truc, non? Non, il n'y avait pas de... Les gars, sur ce genre de jeu, s'il y a une petite lumière et que tu passes à 5 mètres et qu'il n'y a pas écrit A à côté, il n'y a rien. Je te jure, qu'est-ce qu'il fout le sci-sci. Après, il fait encore jour, les gars. Il opère que la nuit. Je me demande ce que c'est. C'est live. Lily, merci. Ouais, j'ai dit live. Fermé. On va enfoncer la porte. En balle. Ah! Sa mère, la porte! Ah! Mais dis-moi, ça va aller ton pied? Ça doit faire mal. Elle peut pas avoir mal en faisant un chassé comme ça, c'est impossible. Merci Chivas pour les deux mois. Wow. J'ai jamais déchassé dans des portes, j'ai cassé des trucs et tout. Gros lot. J'ai jamais eu mal. Un peu tous ces trésors. Tu m'étonnes qu'il ferme la porte à clé. Il va pas nous tuer si on pille son stock? Quoi? Non. Attends, il nous a abandonnés. C'est genre... de la survie ou... T'es pas d'accord? J'avoue. C'est le fils de pute, c'est à cause de toi que t'as brûlé la voiture. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Bouge pas, sinon la porte se fermera. Le H, il va revenir en sauveur. Comme Naruto dans l'arc Pain. Oh. Mortel. Mate-moi ça. Mission accomplie. Boum! Je vais jeter un œil. Ouais, vas-y. C'est sûr. Chris, là, il va tous les sauver d'un coup, un moment. Et je veux absolument pas que Chris se sacrifie pour ses trous du cul. Prends ça. Cool. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un fusil. Oh, cool. Et un... code. C'est le code du coffre-fort. Alors, personne fait ça avec une arme. Ok. C'est bon. Grace versus Silas. Jacob. C'est marrant, quoi. Hey, regarde ça. Quoi? C'est marrant. Je peux pas bouger, sinon la porte va se fermer. On dirait des trucs de camping. Oh, ok. Il y a déjà des tentes au feu de camp, alors... Viens, c'est bon. Des sacs c'est déchirés. C'est un ours? C'est ça, ça doit être un ours, ouais. En gros, pour moi, les deux vieux, c'est les deux qui s'occupent de l'enfant chien Silas. Et du coup, ils sont couverts de sang pour qu'ils les proquent. Parce qu'il est attiré par le sang. C'est ma première théorie, mais bon, c'est une petite théorie vu que j'ai pas encore beaucoup d'infos, quoi. Merci, Nathalie. Alors, tu... Merci, tu vas vraiment prendre le fusil, hein. Ouais. Pour les ours. D'accord. Ben moi, je vais chercher un truc pour transporter tout ça jusqu'au camp. J'aille ouvrir le coffre-fort, ça. Ouais, non, ça... Ah si, il y a un truc. Oh, le vilain plan.
look for cheaper option next year. Ils veulent rénover le chalet, ok. Pourquoi elle ferme les yeux? En fait, les gars, c'est un... Elle ferme pas les yeux. Mais quand tu regardes vers les bas, le bas, et que moi je te regarde, dépendant de l'angle, on peut savoir, on peut... Ça ouais. En gros, t'as l'impression que je ferme les yeux, mais je ferme pas les yeux. Je regarde juste vers le bas. C'est comme des fois, je regarde mon téléphone, et vous, vous me dites, vous écrivez, waouh, ouais, Badge, il dort et tout. D'accord. Bingo. Eh, hey, c'est pas mal. Oh, full munitions. Y'a quoi d'autre dedans? Des feux d'artifice. Oh, wow. T'es sérieuse? Oh, non. Ouais, mais je crois pas qu'on devrait... Non. Emma. Feux d'artifice. Pas dans une forêt, ça va brûler la forêt, wesh. On le prend. Tu sais quoi? T'as raison. Allez, on les prend. Ouais, trop bien. On les prend. Et on peut dire que ce soir, ça va péter. Pour être chroniqueur chez TMP, TPMP. Hein. Et j'ai vu des sortes de sacs troués derrière. Ils étaient carrément déchirés et je crois même que j'ai vu un peu de sang dessus. Oh, oh, stop, stop. Oh, sérieux? Des peanut butter butter pops. Mais il est super insupportable, ce fils de pute. De peanut butter butter pops. C'est pas pour les gamins, ça. Hein? Ouais, ouais, mais j'étais un gamin avant. Ah ouais, parce que c'est plus le cas. D'accord, si tu goûtes une de ces merveilles, je te garantis que tu changeras d'avis. Non, c'est mort. Pop, pop, peanut butter butter pops. Pop, pop, ça fond dans la bouche. Sérieux, c'est juste le meilleur snack au monde. Ok, comme tu veux, pas grave. Juste pour moi. Bon. Les gars, je vous promets, dès que le QTE... Oh, ah, oh, fallait mettre vers le bas. J'ai mis vers le haut, sa mère. Non, putain. J'ai vu une belle prouette quelque part devant. Y'a plus qu'à foutre tout le butin dedans. T'as dit quoi, là? Butin? Oh, bah c'est comme un trésor. Un trésor de pirate. Ah non, ouais, c'est sûr, ouais. Avant ça. Une prouette? Voilà. Ok. Merci, c'est Alkyo. Comme une sorte de caisse sur roue. Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh, je vais voir. On dit pas une brouette? Merci, Zoréol. Après vous, madame. Merci. Par où? Moyen que ça s'écrit.